notre Algérie. Il y a des réelles riha quand on atterrit comme ça et qu'on sort et qu'on sent. Quand on atterrit avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a, on a l'impression que notre pays s'éloigne. باه يعرفوا القيمة تاع هذا المنتخب لازم يعرفوا كيف هذا المنتخب إني موطني موطني باسكو نوتر هيستوار الي يونيك الي يونيك ماشي كاع البلدان اللي عندهم هذا التاريخ السناء والبهاء في Avec cette équipe du FLN qui a été montée comme ça, et leur histoire et comment ils sont. Donc, juste un peu de mémoire. Vous soyez à la hauteur. Les sacrifices les darouhom. هذا الوطن الوطن mes parents sont 100% nationalistes c'est au sens noble du terme moi mon père par exemple mon père je sais pas comment vous dire son pays wallah c'est Ça aurait été, on va dire que s'il avait échoué dans quelque chose, même on serait devenu, je ne sais pas moi, médecin, vraiment les choses qui font qu'on peut être fier de ses enfants, tu sais tout, mais qu'on n'aurait pas eu Hadi la fibre à Bledna, Wallah, il aurait tout rappé. Quand tu sais d'où tu viens, tu as beaucoup plus de force pour aller là où tu veux aller. Jamal Belmadi, oh, c'est grand entraîneur. Nous sommes Indonésiens. Parfois, on regarde à la télé indonésienne de football. كان عندنا مشاكل كبار مع المنتخب البريطاني. جاء هو رتب الأمور وجبنا لا كوب دافريك. في son job de vrai entraîneur. عنده شخصية قوية وشخصية كما نقولوا احنا يعرف شخصية تاع بطل. يعني عنده هدف. كانوا لي ميم جوار مع المدربين واحد اخرين ما نجحوش معاهم جا جمال بالماضي نجح سي فريمون ان اونور دافوار دي زونترينور كيما هكا في ليكيب ناسيونال ربي يحفظك جمال بالماضي سي كيلكان كي نوز اتيري فير لو هو اي كي نوز ا روندو تري هورو افيك لا كوب دافريك Oh, he's an amazing guy. I mean, the team is so much better now than it used to be. Hey, yeah. مساء الخير شكرا اللي استقبلتنا هنا في مركز سيدي موسى نقدروا نقولوا بلي هنا في سيدي موسى يعني هو البيت كاع يعني هذه دارك هنا في الجزائر العاصمه اول شيء مرحبا بكم effectivement هذه داري سي سا لو شاتو كي سي سي لا اون بريبار notre équipe c'est là où on prépare nos échéances nos qualifications nos matchs c'est là qu'on va préparer notre coupe nos dernières coupes d'Afrique
Et en même temps, je dirais, tu as bien précisé en disant que Beitna, Sah Beitna, parce que dès le premier jour, quand je suis venu ici, j'ai entendu parler de Sidi Moussa, très sincèrement, je me suis senti très à l'aise. Mertah. C'est exactement le terme, Mertah. Je suis rentré à l'intérieur et le premier feeling, le premier sentiment, ça a été vraiment Hassan. J'ai la possibilité, comme tous les entraîneurs, tous les sectionneurs qui sont passés ici, de disposer d'un logement dans Alger. Comme tu as pu le dire. Et où je pourrais peut-être accueillir ma famille. Et donc on sait que c'est souvent des logements, de toute manière c'est comme ça que c'est marqué sur le contrat, de qualité, des choses comme ça. Et ben ça fait, on est à plus, je suis à un mois et demi quasiment de prise de fonction, j'ai jamais senti l'obligation ou l'envie de disposer justement de ce logement. Puisque je me sens tellement bien ici à Sidi Moussa, je me sens vraiment à la maison et je suis à l'aise. Donc il n'y a pas eu besoin de... J'ai mes beaux-parents aussi qui sont dans la région d'Alger. Donc s'il y a ma famille qui vient ici, mm-hmm. on a un Adar, ça m'a. Ou on a ma lazmini, j'ai pas besoin. Et c'est pratique. C'est pour le travail et pour la qualité de vie. Moi et mon staff nous sentons très très bien. جمال بالماضي واش خدت قلنا على المركز هذا يعني اول مره اللي دخلت ليه وشفتوه والان يعني فيها انا نشوفوا فيها بعض المشاريع جديده راهي هنا داخل سيدي بوسا انت يعني حياتك كامل في يعني كما نقولوا في لي سنتر دو فورماسيون في المراكز التكوين يعني في الخارج يعني عندك فرصه كانت عندك فرصه انك شفت مراكز كثيره في العالم واش خدت قلنا على هذه التحفه هذه اللي هي سيدي بوسا انا اول شيء كي شفتهم كي شفت هذا المكان قلت لهم بلي سورتو جوا عندكم زهر وفرصه اللي حنا يا باسيون طون كسا سان فير لي فيو دينوزور كي اللي يحبوا يهضروا غير على الجيل تاعهم ولو مومون تاعهم بصح كمان سي كي ايت امبورطون دو سافوار بلي عندهم زهر عندهم زهر ومكتوبهم. Je parle surtout des joueurs, c'est surtout eux les plus importants. Et un homme Zahar de disposer d'un centre national comme ça, avec une qualité de pelouse, ce qui est l'essentiel et le principal, qualité aussi de dortoir, entre guillemets, pour vivre au quotidien, de cantine avec des chefs. Et voilà, ils ont tout, absolument tout pour se préparer. La qualité, on n'a pas très vraiment sinon à jouer sur des petits détails, mais on n'a pas à rougir de ce qu'on peut avoir en Europe ou là ailleurs. C'est vrai, comme tu as pu le dire, j'ai vu beaucoup d'infrastructures sportives de qualité, de très grande qualité. Je suis par exemple au Qatar où il y a parmi les plus grosses infrastructures sportives. On a largement, vraiment suffisamment ce qu'il faut pour bien se préparer. On a pu le voir avec les qualifications de Coupe du Monde qu'il y a pu avoir, 2010, 2014, il y avait déjà Sidi Moussa à cette époque-là. Nous, notre Coupe d'Afrique. Et puis, la politique Tal Ittihadia, c'est aussi d'améliorer. En tout cas, moi, si je peux un petit peu apporter ma pierre à l'édifice sur différents avis, mm-hmm. c'est aussi de faire en sorte de faire progresser ce centre, que demain, nous, quand on part, on laisse un centre performant, où on a évolué. Donc il y a ce qu'on appelle le 40, le building là-bas qui est en train de se construire. Ça va être l'hôtel, ça va être le là où les joueurs vont être, où ils étaient avant. Mm-hmm. Ils ont tout détruit pour le remettre aux normes et le rendre encore plus moderne. Et là il y aura vraiment un service top, un service maximal. Tant dans tout ce qui est pour dortoir, de cantine et aussi de moyens de récupération. Donc voilà une bonne initiative à l'origine de ça, c'est donc la fédération pour faire progresser ce centre. Voilà l'idée, c'est on a reçu un moyen de un outil de travail de qualité
et à nous de le rendre encore, il est perfectible. On rajoute aussi un autre terrain, on a déjà deux pelouses plus un terrain synthétique, on est en train de rajouter encore une autre pelouse pour que aussi les catégories de jeunes puissent disposer de ça et puis tout simplement améliorer ce centre national. جمال بمادي لما نجو لهنا سيدي موسى أول سؤال ممكن نقدر نطرحه لك جمال هو كيفاش تم الاتصال بك حتى باش يعني تكون على رأس المنتخب الوطني الجزائري الاتحادية والناس اللي يخدموا فيها ils ont appris ça et m'ont tout simplement contacté via l'intermédiaire de Aziz Bourras. Mm-hmm. Voilà, donc Aziz Bourras avec lequel j'avais déjà travaillé énormément en club au Qatar et en équipe nationale du Qatar aussi. Le contact s'est fait assez simplement, très direct et il fallait vraiment qu'on m'apporte des garanties sportives sur le travail. Je l'ai déjà répété, l'aspect contrat a été plié en deux minutes, puisque c'était pas l'intérêt, sinon dans ces cas-là je serais resté au Qatar. Et notamment ce centre-là, en venant ici, ça a confirmé, on s'était déjà mis d'accord déjà sur notre première réunion de travail avec le président M. Zetchi. Et j'avais déjà pris des renseignements chez des joueurs, Majid Bougarra, sur les qualités de travail, les qualités et les moyens de travail. Et il m'avait dit le plus grand bien de ce centre, Sidi Moussa. Et effectivement, à ma venue, la première fois, début août, quand j'ai vu le centre, la visite un petit peu du centre, voilà, j'ai estimé qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour travailler convenablement. سيد جمال بمادي ما هي كانت شروطك وما هي التضحيات ممكن اللي درتها على جال المنتخب الجزائري السبب اللي que personne attendait que fait que j'ai quitté mon club au Qatar ça a été sur le travail. On pourrait rentrer dans les détails mais je vous ai dit notamment le recrutement amélioration de ça ou de ça de tel ou tel terrain. الفريق تاعك نادي التوحيد وهنا j'ai fait part de ça au président Zetchi. Goutlou, surtout sur l'aspect du boulot, on se met d'accord dès maintenant sur le fonctionnement et ce que soit les besoins et mon fonctionnement à moi. Peut-être qu'il ne plaisait pas au président, peut-être qu'il voyait les choses différemment. Donc là, on a parlé, c'est Bessouer, vraiment ça. C'est Bessouer. C'était un très intéressant. وفهمتو نخدم كيما هكا هذا اللي نحبهم هذه لي تروك سا جيم با سونسون سا سا سي جو كونفيان با نضروك نقولو نو سا 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 فونكسيونرا با كوم سا و لي شوز اون ايتي ان تو كا تري كلير صافين و كلشي باين و كلشي قلت كلشي زعما ما خليت حاجه لازم بور موا سي لو ديبي دو ترافاي سا است كو ا بارتير دو سو مومون لا il envisage de pouvoir travailler, c'est notamment le président de la fédération. Moi je dirais par même en club, s'il n'y a pas la relation de travail qu'il faut, de transparence, tout doit être clair, direct, ça a fait, entre un entraîneur et son président en club, entre un entraîneur et le président, c'est impossible d'avoir des résultats. Pour moi, de manière générale, c'est impossible d'avoir des résultats. C'est mon expérience que j'avais. Au Qatar. J'avais une très très bonne relation avec mon président de club et j'avais une très très bonne relation avec mon président de fédération quand j'étais en équipe nationale du Qatar. Moi j'aime expliquer ce que je fais, j'aime parler de football, je pourrais parler des heures sur du football. Et ça ne me dérange pas d'expliquer quand tu es passionné, quand tu es clair dans tes idées ou un des comme lignes directrices ou عارف وين راك باغي تروح ou عندك هذه الثقه على نفسك pas de l'orgueil, je ne suis pas fermé, je suis ouvert, ndim نسمع ndim les النصيحه ndim كل واحد il y a pas de problème, c'est mon fonctionnement ça. Mais ça عندي en même temps des certitudes aussi, عندي نعرف وين نبغي نروح وعندي
الخبره تاعي ولا تري اي ابارتي دو لا نخدموا ومن بعد لي ميزون تاع بيف اكزيستي لي مالونتوندو بيف اكزيستي جيم مو جو سوي با كونتون لي شوز ال سو دي كليرمون من جيم نخبي حاجه لازم نخرجها ديما جي مي سوي ماجيني ترافايي دون لي ميور دون لي ميور كونديسيون والصح والصح سي لا فيريتي او بو دو دان و انمي جو مي سونتي ليبر دون مون ترافاي pouvoir réaliser ce que je veux. Voilà, j'ai toujours eu une oreille qui écoutait les besoins. Mes besoins sont c'est des besoins qui mèchent l'IA. Un besoin pour l'équipe nationale, finalement, pour le pays. Des choses qui me paraissent, moi, logiques. Mais des fois, il y a des choses qui me paraissent logiques. Ou celui qu'en face, c'est pas logique. Donc, alhamdoulilah, j'ai jamais eu de sentiment. حسيت باللي حاجه مبلوك يا حاجه ما تبغيش تمشي بون دي فوا يا دي شوز انا دي فوا نجيب نقلق في حاجه سا اكزيست سا او جيستيم كو سي با كوم سا او جيستيم كو سي تي ما درناهاش مليح و كون اوغ بي ميو فير سا اكزيست سا سا مي il faut que les choses doivent être dites ما تخلي حاجه où on doit faire le nécessaire après pour corriger. Les erreurs, elles sont faites. Je fais les erreurs, tout le monde fait des erreurs, mais comment on les corrige et comment on fait pour progresser. Jamal Belmadi, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes dans le marquez de Sidi Moussa. لما جيت المنتخب الجزائري كانوا فيه أسماء كانوا فيه لاعبين يعني في أي مباراة وفي أي وقت يعني فكرت تزيد أسماء وباش تكون الفريق الوطني اللي الحمد لله يعني تحصلتوا على النجمة الثانية وكأس إفريقيا ديجا أول شيء كان عندي فكرة على هذا الفريق بيسكو جي با راتي بوكو دو ماتش على ليكيب ناسيونال دوبوي دي زاني ديما كي يلعبوا المنتخب نحوس او موان جو سي شيرش سافوار لو ريزولتا سافوار كومون اون جوي كي اون جوي كنت تتبع حوالي 13 كل مباريات مينيموم هاد بلادي هادي المنتخب اللي لعب فيها سي دي دات فيفا دونك عندي الوقت في هذا ميم سي جو ان كلوب باغ اكزومبل عندي كان عندي الوقت بان نشوف بان نتبع لي ماتش وكان عندي ديما دي زامي دي جوار افيك كي يافي ماجيك بوغرا باغ اكزومبل كي جوي سو مون ايل سو مون دون مون ايكيب بريف جي توجور سويفي دونك كون جو سوي اريفي بوركوا اون مي دي On est passé, je ne veux pas tirer sur l'ambulance ou sur les autres entraîneurs, c'est surtout pas mon idée, mais on est passé rapidement d'une équipe qui n'avait, entre guillemets, les équipes, يجي هنا البلاد وربحونا وروحوا من با دي غراند ايكيب دي بيتي ايكيب كانت الغيره هذيك جمال ماشي غيره بلوس كو غيره يجيك ميم زعاف يجيك ما مزعف تقول هادو ما يجيك زعاف يجيك ما يجيك زعاف كان بزاف صوالح ماشي ملاح اللي يخرجوا كيما هكا دونك تشدي يفو فيت 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 ريغلي سا فيت ريغلي سا فيت روميت سيت ايكيب دون لو توب 5 افريكان هادي ان اوبجيكتيف تري امبورتون اون اي باسي اون دونك جي بري مي فونكسيون سبتمبر اوفيسيلمون اون ماتش Match contre le match contre la Gambie, septembre, pour arriver quasiment un an plus tard d'une équipe qui était complètement dissoute, une équipe les Mabrachka Roh ou avec le Meshek El Kthir à une équipe championne d'Afrique. Pourquoi aussi rapidement? Parce que c'est tellement rapide. J'aurais pu facilement me dire à la première conférence de presse, Lazem Nil Wart, ou à Kouchoufoul Ferer Kerahi, j'étais même dans mon droit. J'étais même, ça aurait même été logique. On aurait même accepté ça. Aïe, Mouder Bidji, où il dit Mahdi Al-Kalam, le Félix Imreda, il est très mal Cap Vert, il est très mal Saoudia, il est très mal Iran, il est très mal Afrique le premier tour. عنده الحق باه يقولها لازم الفريق هذه نبنيها نعاودها كامله ولازمني الوقت مينيموم 2 ans ولا 3 ans و الناس ils applaudissent ils auraient dit صح عنده صح Moi, j'ai dit dès la première conférence de presse, on va se qualifier pour. On m'avait posé la question, Galonné, est-ce que c'est une prochaine Coupe d'Afrique, une compétition de transition dans un an, à la AM.
il n'y a pas de transition. On va aller le voir la Coupe d'Afrique, Inch'Allah, pour la gagner. Donc à ce moment-là, c'est vrai que tu passes pour un... soit pour quelqu'un d'incompétent, il sait pas ce qu'il dit. Mais pour ça, il faut déjà regarder son CV ou là, son passé, un passé récent. Blend Kabar Ferrohi, mais ça, c'est un technicien qui parle. Il y a 2 mois, j'étais en train de travailler, gagner tout là où j'étais. Donc je savais où j'allais et j'étais prêt. Parce que j'avais déjà cette idée, j'avais déjà une vision. On n'a jamais de garantie d'obtenir tel résultat. Moi, quand j'ai lancé ces messages-là, c'était pour dire c'est fini le discours d'un. Hadou les mouels finis khasro, mouels finis, el khourou, moustawa, daif. Parce que quand tu envoies ces messages-là, les amnés tetsnin, ben nerba, ben nerdjou, tu es en train d'envoyer ce message-là aux joueurs aussi. Donc les joueurs, ils disent Tani, amin, ou tetsnin, ben nerdja al moustafel moustawa. Et avant tout, il ne faut jamais perdre ça de tête, avant tout les joueurs. C'est les joueurs. Le message est envoyé aux joueurs. Mais كنت عندك كل قابلية باش تكون انت هو على راس المنتخب الجزائري سي بريتونسيو بان كل هذا الكلام 2015 on m'a tendu des micros comme ça et on m'a galonné est-ce que quand on avait joué Algérie contre le Qatar ou ربحنا je كنت à la tête du منتخب القطري ربحنا مع المنتخب الجزائر galonné est-ce que pour vous c'est le moment maintenant de venir est-ce que vous voulez prendre l'équipe nationale ou est-ce que vous j'ai dit le jour où je me sentirai prêt je me sentirai prêt. Et on fera appel à moi. Il faut deux choses, évidemment. Se sentir prêt, c'est bien. Maintenant, si on n'a pas besoin de vos services, ça ne sert à rien. Donc, et on fera appel à moi. Je répondrai par l'affirmatif. جمال انا درنا كما يقولوا جوله خفيفه هنا في سيدي موسى على بالي بلي عندك خدمه بزاف عندك سيونس دو كش نقولوا دو فيزيوناج سي سا رانا عشيه يعني دخول طربوس تاع المنتخب الوطني للمباراه القادمه لما نلحقوا هنا نشوفوا ايضا المسجد على هذه الاشياء اللي يقولوا بلي راك تحس روحك راني مرتاح كاين اشياء كثيره يعني تحس روحك راك دائما مع العائله وتحس روحك يعني ماشي متغرب سي اون فادير un village ou dans un village ou là une ville dans une ville on a tout ce qu'il faut hatta jamaa il y a un jamaa qui est vraiment tu te sens vraiment très 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 à l'aise ou مرتاح عندنا لي جوغ تاعنا الحمد لله تري زاتاشي على الصلاة وعلى كل شيء ونفوتوا مع حتى الجمعة صلاة الجمعة هنا نجيبوا الإمام ونصلوا هنا سي انديسوسيابل الدين تاعنا وحنا مسلمين وشغلنا وخدمتنا سا مارش انسومبل اي دو ديسبوزي هذا الجامع دون ان سونتر دونترينمون C'est extraordinaire. Je vois ça au Qatar, il y a ce genre de choses. Mais voilà, partout en Europe, où les joueurs ont kbaro. Les centres d'entraînement, évidemment, une petite salle de prière pour certains clubs. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Comme ça, dans nos centres d'entraînement, ils n'ont pas oublié une chose essentielle, à savoir Jama. كي ندور هكذا نشوفوا هذه الصوره يعني نشوفوا ابطال افريقيا نشوفوا هذه الصوره الجميله يعني نشوفوا فيها هذا الفريق اللي يعني فرح الجمهور الجزائري وفرح الجمهور العربي والافريقي بصفه عامه لو كان ناخذوا بالواحد يعني بالاسم واش تقدر تقولنا لو كان تبدانا بالواحد قلنا اون فراز على كل لاعب الجماعه افون تو با بارلي دو جروب افون دو بارلي دان انديفيدو الجماعه ديجا
un groupe qui a été fait avec l'idée de nous aïla. Ça, c'était très très important. Donc, les caractères sont importants, savoir qu'on est au service de l'équipe et notamment du pays est important, et comprendre qu'on est dans un projet collectif et un projet national. Ça n'a pas toujours été le cas. Youssef, on sait que c'est un joueur qui est jeune et qui a beaucoup beaucoup d'envie, beaucoup de Hamas, il dépasse ses fonctions. On sait que c'est un bon défenseur agressif et en même temps un bon contre-attaquant et un joueur qui peut apporter offensivement, parce que Andou a le dépassement de soi, parce que c'est l'abtaou, l'enthousiasme, le joueur moderne. Anna Mohamed Fares, c'est un guerrier. واحد اللي اللي يلعب مازال مسكين عنده الله يجيب له الشفاء باسكو سي في ليغامون كروزي بصح مازال عنده مستقبل مع المنتخب اي سي ان جوور دو فوالا دو تيمبيرامون Rafik Halli, je n'ai pas besoin de le présenter. C'est le sage d'Anna, le joueur d'expérience d'Anna. Les hamdoulillah rabbi, je suis très content. Kain encore des Mouktoub, parce que où est les demsel qui kanou fi kifal masar fi Qahira hadi le waqt en 2009 où il est revenu dans ce même pays et gagnant la Coupe d'Afrique fi hadi le bled. Hicham, qui est arrivé avec beaucoup d'innocence en tant que chars et surtout dans son football aussi, mais qui est quand même déjà, on voit déjà les qualités de Théo. Voilà. Donc le joueur qui a été transféré à Nice, on s'appelle le Khair, ou Inch'Allah la progression qui doit être la sienne pour devenir un joueur important de l'équipe nationale. Baghdad Bounedjah, c'est le joueur, alors comment je vais décrire, qui il court, c'est une course contre la montre. C'est-à-dire une course contre la montre. Houa, pour moi, derrière le waqt, mais houa les derrière le waqt. Derrière le waqt, les mousouline, les techniciens, les moudaribin, t'as le moutahab, de cette passée d'un joueur comme celui-là, je pense à l'image d'un islam. Bon, l'image, c'est un joueur qui aurait pu aussi marquer, qui marque maintenant surtout avec son but en finale de Coupe d'Afrique, qui aurait pu il aurait pu faire encore mieux, mais il reste du temps. Ou c'est pour ça que je dis une course contre la montre, il veut marquer des buts, il veut faire ce qu'il y a de mieux. Issa Mondi, c'est aussi un joueur qui est très sage, un joueur que tous les entraîneurs rêveraient de coacher, parce que c'est un grand, grand professionnel. Après, on a Raïs Mboulhi. Je ne vais pas à sa place parce que Houa Mahadash Bzef. Voilà. Donc, c'est des secrets. Non, mais je dirais pas c'est de la timidité. صح عنده الشخصيه تاعو سي كان دو عنده شخصيه كبيره وعنده ليستوار تاعو كي لا بيرسوناليتي تاعو سي كان اللي ما نهضرش بزاف اي كي بارلا ا بون اسيون اي كونت يدوا بارلي بارل او بون مومون مي سي كيكان اون فالور سور اون ا مالوروزمون با اوجوردي كيلكان كي بو Je dis malheureusement pas parce qu'il n'a pas 20 ans et en même temps il faut préparer ce gardien qui va un jour pouvoir prendre cette place de gardien. Mais en termes de qualité, au jour d'aujourd'hui, personne ne s'approche, ne serait-ce que d'un petit peu, d'un joueur comme Raïs. On a Diama Bimadi, un très très grand joueur. Parce que déjà, joueur, je préfère jouer qu'entraîner. Non, on va passer, c'est de la plaisanterie. J'aurais été
On en parle souvent justement avec le joueur qui est à côté, ouais, qui est un amoureux du football, et on partage la même passion, de ce sport, et qu'on considère plus comme un sport et une passion que, qu'un métier. J'aurais, ça aurait été un grand honneur et franchement un grand plaisir d'évoluer avec des joueurs de cette qualité. Revenir à Al-Qaïd Ta'ana, capitaine Ta'ana. C'est un joueur, j'ai pas trop envie de le présenter en tant que joueur parce que Thomas Tarafo, c'est une personne que quand je suis arrivé ici, on a eu juste un petit peu Wahed ou la Zouj Tarabous pour se régler, pour moi ce qui est rapide, hein, un joueur de cette trempe-là. Parce que je lui ai justement dit que j'allais m'appuyer beaucoup sur lui. Mais pour m'appuyer sur lui, il se devait d'être un appui solide. Donc le temps, il fait un petit peu ce que j'attendais de lui et que ça allait être un maillon essentiel, peut-être le plus important, sans le détacher de tous les autres joueurs. Mais ne serait-ce que pour lui-même, parce que je sais qu'il a envie de faire quelque chose de grand avec l'équipe nationale. Il a été meilleur joueur de Première Ligue. Lui, ça c'est une petite anecdote, il a voulu, même s'il était dans ma tête et dans mes calculs, de faire ce genre de choses, il a pris ses dispositions et il a voulu ce brassard de capitaine pour justement prendre ses responsabilités. Alhamdoulilah, bien ou farah ka hada el bled. Ou yata saha, inshallah, ou je suis ici tous les jours un plaisir, un honneur de pouvoir travailler avec Gahad ou les joueurs Tawahi et spécialement Riyad pour son amour du football. Mais disait Fan, pareil, joueur qui est discret, joueur personnalité discrète, très, très à l'écoute, qui a envie de donner aussi et montrer qu'il peut être plus qu'un remplaçant à Youssef Attal, parce qu'il a des qualités, c'est un joueur qui a des qualités, et on a pu le voir, et même des qualités psychologiques et une force mentale énorme. Il y a Youssef Bleyli. Alors je vais vous donner une petite anecdote. À ma prise de fonction, pas ma prise de fonction. Hadel Ishtima, le président de la fédération, M. Zetchi, à notre première rencontre. Donc on a parlé de beaucoup de choses. Tous les contours du football, tout ce que je voyais, tout ce que je sentais du football algérien et comment je voyais le projet. Et je lui ai posé une question dans tout ce temps-là. Je lui ai dit, Hadel Youssef Bleyli, qui n'était plus qui n'était plus dans les radars, personne ne parlait de lui. Voilà, Goutlou, est-ce que Hadel joueur, il est au niveau de la fédération ou au-delà de la fédération, peut-être qu'il y a au niveau politique, est-ce qu'il est condamné à ne plus jouer? Il peut avoir une décision comme ça qui vient d'en haut pour le prendre à titre d'exemple, pour la jeunesse et pour tout ça. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise le concernant et qui a une croix sur lui, qu'il est interdit de revenir en équipe nationale? Il est parti me sortir un petit quelqu'un dont personne ne parle aujourd'hui. C'est facile de parler de Bleyli. Mm-hmm. On ne parlait plus de lui à ce moment-là. Il m'a dit non, il n'y a pas de rien d'intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? J'ai dit, ouais, moi je connaissais. Je vous dis, depuis le premier rendez-vous avec. J'étais dans les pourparlers. Il était dans une liste de joueurs que je voulais prendre, malgré ce qui s'était passé avec lui. Kol wahed irlat. Et le plus important, mais chez les Irlat, le plus important, c'est la Touba. Et voilà, il faut savoir pardonner à partir du moment où la personne est enclin à évoluer, à changer, tout ça. On lui tend la perche.
Donc Houa il est pleinement là-dessus et il nous a donné on a eu un accord entre lui et moi, un accord moral, justement concernant tout ça. Je lui tends la perche et je lui tends la main et à lui de la saisir. On a Mehdi Taharat, une personnalité que j'aime vraiment beaucoup. Mm-hmm. Quelqu'un qui est venu à des moments difficiles où j'ai commencé à construire avec lui, notamment ce fameux match du Togo, où il a été très solide, très fort, où on ne gagnait plus. Il faut vous rappeler, c'était un soldat et il a fait ce temps. Le projet où malheureusement, heureusement, on le prend comme on veut, parce que Kouchimen Rabbi, il s'est blessé. Et il y a eu justement l'avènement de Issa Mendy qui a démarré latéral droit avec moi et qui est venu en défense centrale et qui a été performant. Islam Slimani. La légende, voilà comment il aimerait qu'on le surnomme. Ah, donc, la légende. Voilà, la légende. Mm-hmm. Islam Slimani, tellement décrié quand on a sorti la liste des 23, tellement décrié par beaucoup de monde. Ce qui a arrangé mes affaires, je dirais. Pourquoi ? Parce que Islam Slimani, c'est un joueur qui, toute sa carrière a été montré du doigt. Toute sa carrière, il a été décrié et il aime ce rôle. Finalement, il aime ce rôle. Je pense que si Islam faisait l'unanimité, si tout le monde venait à se rendre compte et le disait publiquement de l'importance de ce joueur-là, et peut-être qu'on n'aurait pas le même Islam Slimani. Islam aime jouer dans l'adversité, mm-hmm. aime jouer quand tout le monde est contre lui, et il a une force de caractère que peut-être personne n'a dans ce groupe-là. Aussi un accord moral, mm-hmm. parce qu'il ne jouait pas et il ne rentrait plus dans les critères que j'avais mis en place, à savoir pour pouvoir être sélectionné, il faut pouvoir avoir un minimum de temps mm-hmm. en club, pour pouvoir un minimum de temps. Il n'avait pas ce minimum de temps, mm-hmm. donc il sortait de mes critères. Mais de par sa personnalité, de par sa force de caractère et de par son expérience et cette envie de marquer des buts et de battre le record, et il le battra. C'est sûr, malheureusement pour Hafid Tasfaout Ben Hayou, qui a eu aussi son 35, voilà, Islam a cet objectif d'être le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale d'Algérie. Ça serait pour lui une revanche sur la vie, une revanche sur beaucoup de choses. Alors Ismaïl Ben Nasser, c'est un joueur qui a une maturité à son âge. Il a 21 ans. C'est une personne qui est déjà très mature. On aurait dit qu'il n'a pas son âge. C'est quelqu'un qui est déjà stable, qui a une vie de famille, qui est marié, qui sait où il va. Un énorme travailleur, bien organisé dans sa vie. Et ce genre de personnes, généralement, ils vont très 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 loin. Il a un gros cœur. C'est un joueur avec pétri de qualité, peut-être pas comme certains l'imagine, mais moi il est devenu sur cette Coupe d'Afrique, il attendait son heure, vraiment il attendait son heure avec impatience, il avait vraiment le harara en lui de pouvoir montrer ses qualités. Alhamdoulilah, on l'a sorti au bon moment, à savoir juste pour cette canne-là, et il nous a démontré à quel point c'est un joueur important, même très très important maintenant pour nous. Nous avons Azine Doha. Je vais dire, nos trois gardiens, que ce soit Raïs, Azin et Alexandre Okidja, forment déjà, il y a déjà quelque chose de très clair en termes de hiérarchie, Pinetrum. Et l'intelligence, on parle de Azin, fait que il est, et en même temps, il comprend qu'il y a ce numéro 1 qui est Raïs, mais en même temps, donc il est tranquille par rapport à ça, mm-hmm. mais en même temps il donne énormément d'énergie, soit dans les entraînements,
que ce soit les possibilités quand on lui donne de pouvoir jouer sur des matchs de préparation ou des matchs d'autres matchs. Et il est rempli, voilà ce que j'ai envie de dire, un grand professionnel rempli d'énergie et toujours la volonté de travailler et d'aider l'équipe. Si un de nos joueurs essentiel, tellement un doit dire Rouh Kitel, Kitelia, ou Had al-Hub Tal Ferek Louatani, peut-être un des joueurs venant de France. Qui illustre peut-être le plus l'amour du pays ou l'investissement qu'il a ou l'envie de vouloir gagner quelque chose. Et je suis très content qu'on puisse. C'est quelqu'un, Sofiane, que j'apprécie particulièrement, ou l'Inhabo, Min Bekri, Min Zaman, où on a raf belli à Andou Hadil Hub Tal Bled, où Habi. Il faut ce bouton-là ou les trucs. Alhamdoulilah, ensemble, on a pu bosser, travailler pour la Coupe d'Afrique. Et alors qu'on l'a sorti de le poste à haut, qui lui, c'est un milieu excentré. Je faisais mes. Il a dit que je viens faire le montage. Sofiane, je le sortirai de cette position, je le mettrai dans cette position-là. Alhamdoulilah. Il a excellé dans ce poste-là et il excelle au Mazel Andou Hadi Lanvi Bayrou Baidou. Anna Hadad Jamal Belhamri, avec une pensée spéciale, c'est un joueur litani. On a eu une Jmoun Goulou, on peut le mettre dans la catégorie Chouya Bardet Bounedja, qui n'a pas de temps à perdre. Les Kenshuya ou déjà Gelha ou je suis d'accord avec Mahgour, à qui on a collé une étiquette peut-être de joueur à problème ou la Haja ou la Belak ou qu'elle a peut-être qu'il a commis quelques erreurs. Il est très facile il est plus important pour moi et plus judicieux et d'aller vers le joueur ou essayer de changer les choses et de le guider. Aucun des joueurs les dans cette ligne là. Ou quand on voit les qualités d'un Jamel, Tani a prêt à mourir sur un terrain. C'est un guerrier, c'est qui est très très importante à ce niveau international. Et en même temps, c'est un bon joueur de football qui est capable de sortir le ballon proprement, qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne pour un défenseur central, ou qui s'avère être maintenant avec Aïssa, formé une charnière défensive, une charnière centrale des plus compétitives d'Afrique. On a Damounas, un joueur pétri de talent, c'est vraiment le talent pur. C'est comme un diamant qu'il faut bien travailler et l'amener à ce que certainement il ressort. Parce qu'on a connu des joueurs qui ont le talent, mais je les joueurs qui ont ce talent-là, des joueurs qui sont talentueux et qui n'ont pas donné ce qu'ils auraient pu donner. Généralement, le talentueux s'appuie que sur son talent et il oublie qu'il y a du travail. Donc c'est ça qui lui prend en nez et c'est ça la chose sur laquelle on essaie de bien l'entourer, de bien le guider. S'il comprend qu'en plus de son talent, il faut qu'il se mette, qu'il soit un grand professionnel et qu'il travaille bien, il a un avenir brillant devant lui. On a Mehdi Abed, voilà un joueur. Un joueur de devoir, un joueur qui a peu joué, que ce soit avec moi ou que ce soit les autres sélectionneurs. Il fait de très bonnes choses à Nantes, c'est un titulaire indiscutable à Dijon, c'est un titulaire indiscutable à Nantes aujourd'hui. Ça, ce qui prouve que c'est un joueur de qualité, un bon joueur, qui malheureusement joue dans une position où il y a des joueurs aussi qui ont fait leurs preuves et qui ont fait que le milieu de terrain est cohérent et est bien fourni. Mais ça reste un joueur très important pour le groupe. Ben Sebaini,
هذا اللاعب سي ان جوور aussi qui est jeune mais elle serait ou qui a déjà montré certaines choses. Il a peut-être pu avoir certaines absences des fois dans son jeu qui sont préjudiciables, qu'on peut payer cash parce que c'est un défenseur qui joue sur la dernière ligne. Donc l'erreur se paye cash, c'est pas comme un milieu de terrain sur lequel on peut rattraper les coups. Mais il y a déjà une marge de progression en lui, et en plus il a une polyvalence, il est défenseur central qui peut jouer latéral gauche, il a fait une très grande Coupe d'Afrique, il a été très important pour nous, il apporte une forme d'agressivité, et puis techniquement c'est un joueur qui est très fin, qui a été bien formé, quand on fait des exercices techniques à l'entraînement alors que c'est un défenseur, c'est peut-être le joueur qui a le plus de sensibilité et le plus d'adresse technique. Nous arrivons à Yassine Brahimi, déjà une personnalité très attachante, quelqu'un adeb, éduqué, au service de l'équipe. Il a connu avec moi, il a évidemment sur les matchs, les premiers matchs de qualification, c'était un qui a démarré en tant que titulaire avec moi. Certaines blessures ont fait qu'il a raté certains matchs. Et il y a eu en même temps l'avènement de Youssef Pleili. C'était un joueur qui a été, entre guillemets, purement sacrifié par la concurrence. Et à un moment donné, malgré la fraternité, la grande fraternité que j'ai pour ce joueur et pour cet homme, à un moment donné, c'est ça qui rentre. C'est ça l'important pour moi. Il y a un joueur qui est Youssef Pleili, qui est aujourd'hui très performant. Et Yassine a eu de la grande intelligence de comprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'il en a été content ou qu'il en a été satisfait, mais il a pu comprendre ça, il a compris que l'intérêt collectif était plus important que l'intérêt individuel, et ça, ce qui prouve sa grande intelligence et l'amour qu'il a pour son pays, parce qu'il aurait pu peut-être perturber la bonne marche de cette équipe-là, parce que justement il ne joue plus, ou il joue moins. Non, il a gardé la frustration fait Kalbo, il l'a bien géré et il a même encouragé les joueurs, les vidéos. Il a été très 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 important pour moi. Andy Delors, je vais l'imaginer comme ça, qui a fait toutes les démarches personnelles et avec une telle volonté de vouloir rejoindre l'équipe nationale, il nous a rien demandé, il n'a pas demandé l'aide de la fédération. Après avoir envoyé un message comme quoi il avait envie de nous rejoindre, il s'est débrouillé pour pouvoir récupérer tous ses papiers et obtenir son passeport et sa carte d'identité. Donc ce qui prouve son attachement, ou la motivation pour nous rejoindre. C'est un joueur fort physiquement, qui a ses qualités de buteur, et la rage de à chaque fois se battre sur tous les ballons. Un joueur très généreux, qui n'hésite pas à reproduire les courses, et buteur, finalement buteur, qui n'a pas encore eu clairement l'occasion de pouvoir encore démontrer toutes ses qualités. Et Dura, nous arrivons à lui, c'est pas pour rien qu'il soit. Il a eu Adlen, je lui donne un petit peu la même position, tous les cas qu'il a pu avoir avec Islam. Un joueur qui a été totalement décrié à la sortie de cette Hadid al-Qaïma Goudam al-Kassafiqiya. On a dépassé les limites de la critique. Pardon Jamal, est-ce que tu peux dire واحد من اللاعبين تاعك تقيس جمال بالماضي اليوم؟ mais certainement. Pourquoi? Parce que c'est juste, c'est souvent déjà injustifié. Aouchi, il n'y a pas les arguments réels. Si on n'est pas d'accord sur un choix, on exprime son désaccord en disant voilà, moi j'estime qu'il n'a pas sa place dans cette équipe nationale. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Là, il a reçu énormément de critiques méchantes, très méchantes, qu'il ne méritait pas. Et personne ne le voyait apparaître sur ce groupe-là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont tendance à avoir Yensao très très rapidement
Et on va surtout insister sur ce joueur-là, qui a une importance maintenant majeure dans ce groupe-là et qui a montré des ressources mentales et psychologiques au-dessus de la moyenne en justement encaissant la critique avant même qu'il puisse commencer à jouer et prendre ça comme une force. C'est pour ça que je l'ai un peu comparé à Islem, prendre ça comme une force et démontrer à tout le monde qu'il peut être un joueur très important, ce qu'il est devenu, un joueur très important. Avec son Oukidja, je le range dans la même catégorie que Azdine Doura, c'est-à-dire il sait qu'il y a un gardien qui est au-dessus, qui est Raïs Mboulhi, et qu'il doit respecter la hiérarchie parce que les gardiens de but c'est très particulier et faire en sorte que le gardien numéro 1 soit dans les meilleures conditions pour pouvoir donner sa pleine mesure, alors il faut que c'est justement les deux autres gardiens travaillent très bien avec lui, travaillent très bien lors des séances d'entraînement mais tout en gardant le tomoh ou le hadaf il est beau. Mais tout en sachant que voilà, il y a quand même une forme de hiérarchie due au pas une hiérarchie parce que Esm a dit ça marche plus, c'est dû aux performances. Raïs sur les matchs c'est très difficile de l'enlever. On est devenu solide parce qu'on a une défense qui est forte, mais on a parce qu'on a un gardien de but aussi qui est très concentré, qui a beaucoup d'expérience et qui est décisif. Foutna Shahrin Mahabad. Et entre la préparation ou la compétition et la phase finale. Et Fiyad Shahrin, alors qu'on est loin de nos familles, alors que la fatigue s'installe, qu'il y a beaucoup de pression. Quand on est sous pression, généralement. C'est avec le Dart les Tetralak Belkhaf. Dans la vie de tous les jours, je parle. Avec tout ça, avec les frustrations des joueurs qui jouent moins, imaginez-vous que pendant 2 mois, il n'y a pas eu l'ombre d'un problème bien-être. Alors que ça arrive tout le temps. C'est pas souvent, ça arrive tout le temps dans ce genre de situation où il y a des problèmes. Surtout les Arabes, les Algériens, moi le premier, comme ça, que les choses soient bien claires. Eh bien, il n'y a jamais eu ça. Pourquoi ? Parce que le maître mot, c'était « Huma Aïla » ou « L'Ihtiram Binatum ». Ils se sont vraiment bien, 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 bien comportés. Et je vais même insister beaucoup sur Hedou, qui ont joué un peu moins. Et j'aime pas les appeler les remplaçants parce qu'ils ont un rôle bien au-dessus de ce mot qui est pour moi un peu péjoratif. Ils ont eu « Hedil Sbor » ou l'intelligence d'esprit de l'ihtiram binatum et l'ihtiram liya parce qu'ils ont accepté mes choix, respecté mes choix et finalement hna rbahna ma gal jmoua, tout ce groupe là est à féliciter et tout ce groupe là istahal gal l'ihtiram chab jazair mais chab jazair كلمه اخيره فخور بهم très fier. Plus que fier, c'est un sentiment qui restera gravé, l'INAF et Hayat Nakamla, chaque fois que je rencontrerai, et le football est ainsi fait, on se rend compte quoi qu'il arrive, le temps passe, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on se rencontre et quand on se rencontre, on sera heureux de se rencontrer parce qu'on sait qu'on a vécu Hadja, les Farhat al-Bled ou quelque chose d'intérieur. نجوم الرياضة الجزائرية برعاية جم للتأمينات.
تشرفنا ونستقبلوا فريق بلادنا هنايا في ليل. سي لا بروميير فوا لي صرات وحنا رانا معاهم ونشجعوهم. Depuis tout petit, je vais voir des matchs de foot. Là, c'est la première fois que je vais vraiment voir des joueurs. Marlez, Julie, Brahimi, tous les joueurs de mon pays. C'est une fierté, quoi. Une fière fierté. Quoi. Et voilà, on espère surtout que ça se passera très bien et qu'il n'y aura pas de mauvaises choses et qu'on passera une bonne soirée. ان شاء الله انا نسناو امبيونس مليحه نزيدو نكون بيان كونسونطري باش ندير ان بون ماتش. Jamal Belmadi, franchement, c'est un entraîneur qui a travaillé, qui a travaillé, qui a travaillé. 10 sur 10, mon frère. Je n'ai même pas dit. Pour moi, c'est un grand entraîneur. L'Algérie, elle est dans mon cœur et j'espère qu'elle va gagner. Et moi, j'ai envie que, franchement, l'Algérie gagne parce que mon pays préféré, parce que je suis algérien et One Two Three, vive l'Algérie. Devant tout ce public là, on se devait d'être performant. Je te l'ai dit avant, on voulait leur offrir cette fête. Ils se sont très bien comportés. On voulait aussi leur donner une belle image. Et alhamdoulilah, avec la victoire, c'est parfait. Voilà. On se voit bientôt à Paris. Le vient me jeter entre ses bras, emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasé d'un contre Baïden, Annie, El Baïden. Et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Viva Algérie! Horace! 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 Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis en libre.
أول شيء مرحبا، bienvenue à Paris. Effectivement, comme tu l'as pu le dire aussi là, c'est Hna li kbert. C'est mon environnement. On est tous, je pense, on porte tous un petit peu notre identité à travers nos origines. Et c'est nos origines qui nous amènent à avoir telle ou telle personnalité. نحس روحي مرتاح 100% اون سي انتوري دي ميان انتوري دي ميان اولين مع العائله مي بارون مي فرير مي سور مي فرير سي مي فرير سي بلوس جي 4 فرير سي بلوس مي زامي كوتر شوز مي ميور زامي اون فادير مي ميور زامي سي مي سي دابور مي فرير. جمال، فاش خلقت فيك هاد الروح الوطنيه؟ بدون شك مي بارون الوالدين ميم با ني امي ني كيك سوا الوالدين مي بارون سون 100% ناسيوناليست سي او سونس نوبل دو تيرم ناسيوناليست كاش حاجه مي بارون aucun intérêt pour des vacances ailleurs qu'en Algérie, vivre en Algérie s'il y avait pas les enfants qui étaient là et les petits-enfants. Bon, mon père, elle a coulé hell, mais elle est belouche. Enfants, petits-enfants, s'ils pouvaient vivre en Algérie toute l'année, ils vivraient en Algérie toute l'année. On n'a pas eu d'hésitation, on y allait. Pourtant, il y avait un peu la peur, hein. Tout le monde avait peur d'aller en Algérie à cette époque-là, tout ça, tout. Il n'y avait pas d'hésitation. Mon père ne m'a pas dit non, mon fils reste là, c'est pas le moment. Roh, ou si tu dois, s'il doit se passer quelque chose, il se passe. Kouchi bin Mouktoub. Alhamdoulilah, zéro regret, donc bledna, bledna. Mais on n'a jamais perdu le Nord, on n'a jamais perdu nos origines. Je ne suis pas le seul, hein. Tous mes frères et sœurs sont tous comme ça. J'ai un grand frère et une grande sœur qui sont nés en Algérie. Donc là, moi, je parle de quelque chose que j'aime profondément, déjà qui est mon pays, qui est notre pays. Donc on en parle avec, voilà, moi, que je rentre en Algérie. Quand on atterrit comme ça et qu'on sort et qu'on sent le truc, tout le monde a des fois vous avez peut-être tendance à oublier. On sort de l'extérieur. Juste quand on atterrit avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a, tu vois, juste atterrir et sentir. Moi, mon père, par exemple, mon père, je ne sais pas comment vous dire. Son pays, wallah, ça aurait été, on va dire que s'il avait échoué dans quelque chose, même on serait devenu, je ne sais pas moi, médecin, vraiment les choses qui font qu'on peut être fier de ses enfants, tu sais tout, mais qu'on n'aurait pas eu Hadi la fibre, ta bledna, wallah, il aurait tout raté. La première chose qu'il voulait transmettre à ses enfants, ça, hein, mon père directement, ma mère indirectement, elle n'a jamais accepté d'avoir le papier français ou le passeport français et les facilités que ça permet, vous savez. Elle n'a jamais accepté ça. Je pense à toi toutes les nuits, mon pays, ma famille, l'Algérie, ma patrie, pour qui je donnerai ma vie. On écrira l'histoire comme nos héros, nos martyrs. Moi, il n'y a même pas eu le doute qui s'est posé. J'ai rejoint l'équipe nationale à l'âge de 19 ans. 1997 avec entraîneur Kerem Ali, Allah yarhamou, et je crois que c'était Zouba. Voilà, les deux, c'était un duo, un binôme pour le match Algérie-Côte d'Ivoire au 5 juillet. J'étais remplaçant, j'avais 19 ans, je n'étais pas rentré et il n'y a pas eu de doute. J'étais peut-être un des seuls, ce qu'on appelle immigrés à ce moment-là, et il n'y a pas eu de doute. Alors que j'avais 19 ans, j'étais titulaire dans une équipe en deuxième division qui montait en première division, qui était Martigues. L'année d'après, à 20 ans, je signe à l'Olympique de Marseille. J'étais vraiment dans la lignée de l'équipe de France Espoir et tout ça, puisque je correspondais à l'âge, au statut, à tout ce qu'il fallait. Quand j'aurais pu nourrir des frustrations, parce que j'étais venu et on est compétiteur. La première fois où je suis venu,
J'avais 19 ans, je n'ai pas joué. J'étais remplaçant, je ne suis pas rentré. Alors qu'on avait gagné, je crois, 4-0 ou 4-1. J'aurais voulu juste rentrer deux minutes, j'aurais pu avoir des frustrations, j'en ai eu, hein, compétiteur, tu veux jouer, ne serait-ce que deux minutes, jouer un petit peu dans ce public du 5 juillet à l'époque. Mais c'était extraordinaire, de mettre ce maillot d'équipe nationale, c'était presque un rêve. 10 بالماضي جمال و11 عراش سليم مال بالماضي وقف كورتو مراقب لخديجه اول لقطه خطيره اللي بالماضي جمال شاب يشوف بالماضي مراوغه وكبس انا جي غراندي avec ce malgré qu'il y avait pas autant de télé il y avait pas autant de on montrait pas les matchs d'équipe nationale comme ça c'était difficile à voir il y avait pas autant d'engouement pour le on va dire pour le football d'un point de vue média, d'un point de vue... voilà. Mais il y avait quand même des matchs quand je rentrais en Algérie, tu rentres dans tous les Houen, les posters de 82, 86, j'ai grandi avec ces images-là, j'ai grandi avec ce truc-là et à un moment donné, devenir toi aussi comme ça, membre du club, on va dire membre du club, des joueurs, des internationaux, au même titre que les Belloumi, que les Majer, que tous les grands noms, Mekhloufi, donc on y surmonte encore plus loin. On a tendance à les oublier un petit peu, Romain. Donc tous ces grands noms du football algérien. Et toi, à un moment donné, avoir aussi ta photo et ton truc et dire t'es un joueur de l'équipe nationale. Pour moi, une personne comme moi qui a grandi avec tout ça en tête, c'était énorme. Je vis au Qatar. Je suis entre le Qatar, l'Algérie, l'Europe pour les joueurs et le suivi des joueurs. Il y a certains de mes enfants hein, qui sont nés à Paris, qui sont nés au Qatar, qui sont nés un peu. C'est des citoyens du monde, comme je les appelle. Ardallah wasi'a. Donc c'est comme ça que je perçois les choses. Mais ils savent très bien qui ils sont. J'ai le petit qui a 6 ans, j'ai l'autre garçon qui a 11 ans et j'ai ma fille qui a 15 ans. Vous pourriez les interroger, ils savent très bien qui ils sont, malgré qu'ils soient nés ici, qu'ils font des études en telle langue et tout ça et tout. Ils ne perdent pas le nord. C'est ça qui m'intéresse. Ça qui m'intéresse, c'est que, voilà, transmettre. Parce que je pars du principe que quand tu sais d'où tu viens, et je parle de tes origines, pas là où tu es né, tu peux naître n'importe où dans le monde, quand tu sais d'où tu viens, tu sais, t'es plus armé pour savoir où aller, comment y aller, très important d'avoir son identité. Que mes enfants, c'est tout pour moi, comme tout le monde. Donc, pour être tranquille et pour pouvoir pleinement se concentrer, tracker à l'al-shorol, al-khidma, mia fil mia, kimal lazm pour obtenir un résultat netija. D'un autre côté, il faut que tu sois tranquillisé. Donc c'est un travail, des fois on a tendance à l'oublier. Derrière un homme, il y a une famille, notamment la famille proche, qui sont les enfants et l'épouse. Donc alhamdoulilah, moi j'ai cette chance-là d'avoir ça, d'avoir quelqu'un sur lequel je peux m'appuyer. Les amis que vous voyez là, qui sont pour moi plus des frères que des amis, c'est le socle. C'est mes amis d'enfance, mais vraiment d'enfance. Pour Rachid qui est ici, on s'est connu depuis l'école primaire. Non, l'école maternelle plutôt même, depuis très tôt. Abderrahman qui est arrivé un peu plus tard dans notre quartier. On a tous 43 ans. Rachid depuis Bainsen, on peut dire 40 ans. Ouais. Et Abderrahman à peu près 35 ans. 35. J'ai l'habitude, moi, dans le travail, en tous les cas, ce travail psychologique qui doit être nécessaire avec les joueurs, de comprendre un petit peu d'où ils viennent, ce qu'ils sont. Je pense que c'est la meilleure manière d'en tirer le maximum. Azem Yarafo, qui va aider le Muntakhab, est né. À savoir, aider ces gens qui se sont sacrifiés pour le pays,
l'équipe du FLN, avec l'histoire des Mekhloufi, des Itouni, et ce qu'ils ont pris, et les risques déjà de vie, parlons clairement, de vie et de mort. Un Mekhloufi, il était déserteur, laissé des familles. Ce genre de choses, ça passe comme ça, on oublie, on... Non. Et la preuve, c'était pas leur rappeler, puisque beaucoup de ces jours-là, ignoraient que ça soit passé exactement comme ça. Tariqna, Hadia Mouhima, ou en même temps, unique. Vous savez, à l'époque, beaucoup d'entraîneurs nous disaient, et ils avaient tous le même discours, sur l'aspect motivationnel, de nous dire la veille du match ou là, le jour du match, vous représentez Milonounous Shahid. Ça s'arrêtait là. Bon, il y a des gens à qui ça parle, moi ça me parlait. Je pense qu'il fallait développer un peu plus. Par rapport à l'équipe nationale, quand tu sais d'où tu viens, tu as beaucoup plus de force pour aller là où tu veux aller. Et ces joueurs-là, ils sont sensibles à ça. Si tant est qu'on leur explique. On leur dit, voilà ce qu'eux, ils ont fait, vos prédécesseurs. C'est eux qu'on fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être là, Sidi Moussa, dans des conditions idéales pour préparer des matchs, porter ce maillot avec aucun risque et tout ça, et tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Donc, juste un peu de mémoire. Parce que notre histoire, elle est unique. Donc ça, c'était important d'expliquer, je pense. T'es un homme, tu digères ça. Et d'un coup, il y a d'autres choses, d'autres forces, un autre comportement qui se met en place. Ou après ça, il a d'aller me faire ou mais ça l'a pas changé, ça l'a pas touché. هذا جوديير خويا الله يسهل عليك فهمتك وريت لك اش تي اكسبليكي ما تبغيش تي انسنسيبل ا سا انسنسيبل عندك مشكله مع الوطنيه خويا روح لا ريفليشير ان جور او لوتر ان شاء الله سي تا شانجي بالك اون فرابي لا توا Pour juste expliquer un petit peu d'où on vient d'un quartier difficile, très difficile. Je vais vous montrer notre ancienne habitation, nos écoles, voilà, l'environnement dans lequel on a baigné. C'est pas Bel Air, c'est pas Mesh Hydra, on est fiers de là où on vient, parce que c'est ça qui nous a construit. On a connu les Champs-Élysées alors qu'on est à 20 minutes. À l'âge de peut-être 18 ans. 18 ans. C'est-à-dire de 0 à 18 ans, on était à 20 minutes des Champs-Élysées, on n'avait jamais mis les pieds. On est à une vingtaine de minutes, vous allez voir, de Paris, 5e arrondissement, tout est beau, tout est rose ici. Et on n'est qu'à 20 minutes. On droite là maintenant ? Non, comme là où l'ambulance. Là. Et vous allez voir que ça change, c'est un changement total d'environnement. Donc, on pensait que quand on nous dit tu viens d'où ? On dit on vient de Paris. Mais à 20 minutes en temps réel. Mais en termes d'environnement, on est à des années-lumière, je veux dire, de ça. Ça, c'est mon école maternelle. Et ça, c'est mon école primaire.
Mais nous, la cour, on sait qu'il y a un gars, elle l'occupe, tous ils jouent. Nous, la cour, on l'a privatisée. Il y avait des buttes là, par contre. Tu vois, il y avait des bois, là. Il n'y en a pas. Il y avait des buttes là, et on faisait nos matchs. Au Garnes, il fallait qu'ils décampent, qu'ils nous laissent jouer. Ça fait combien de temps? J'ai quitté ici quand j'avais 15 ans. 15 ans, donc ça fait pratiquement. Pratiquement 30 ans. Tout était à proximité. Hein. À proximité, j'habite. La maternelle. J'habite juste derrière, à pied. Là, je suis derrière. Moi, je suis à côté, à 5 minutes. Bonjour. Eh ben, je suis en train de filmer mon école. Je filme mon école. C'est votre école. Ah ouais? C'était mon école, ça, ouais. Elle est bien, l'école. Oui. Chez Kello. Kello, le droit à l'image. Déjà, il faut coucher Edo. Quoi? 1986. Quoi? Ici. L'école. De 1986 à 1991. C'est collège, lycée. Non, collège. De la 6e à 3e. Voilà. Allez, faut bien travailler. Mais les récréations, les cours, les trucs et tout ça, les 15 minutes qu'on avait, 20 minutes, ça finissait en Coupe du Monde. Rachid était pas mal. Zoubir, Abdelrahman. Il avait pas trop, c'était pas trop son truc. Mais Rachid, c'est un bon joueur, c'est déjà sportif. Avant qu'il ait ça. Voilà. Merci pour le compliment. Et là, c'est le gymnase. Voilà, le gymnase de Lagrange. C'est aussi pareil. Il y a par exemple l'équipe de France. Il y a à un moment donné, il y avait à peu près au moins 60% des joueurs de l'équipe de France qui sont issus de la région parisienne, Paris-Île-de-France. C'est le plus gros réservoir de joueurs en France. Et on est tous issus des gymnases. C'est souvent glissant, c'est souvent truc. Bref, tu développes plein de choses, de la coordination, tout ça et tout, qui font que tu as des joueurs comme une bonne partie des joueurs de l'équipe de France, et notamment, et pour ce qui est de nos joueurs à nous, des Riyad Mahrez, des choses comme ça, c'est tous des joueurs issus du foot en salle, on va dire l'actuel foot en salle. À l'époque, on n'appelait pas ça de foot en salle, on jouait dans des gymnases, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des intempéries, parce qu'il y a la neige, parce qu'il y a tout ça, donc on joue beaucoup en salle. Et justement, petite anecdote là-dessus, ça c'est un petit message que je lui envoie, il va regarder ce reportage-là. Riyad, je t'attends, il est là à la salle. Parce qu'apparemment, il a une équipe. Riyad Mahrez. Et il a une équipe et soi-disant, il va venir ici, à Champigny, au Bois l'Abbé, nous taper et nous battre. Affronter l'équipe. C'est impossible. Donc ils sont en train de refaire la salle. Et comme ça, Riyad, elle sera toute prête, la salle, pour toi. Inch'Allah, c'est ici qu'on va bien vous fumer. Ça va être là l'endroit du crime. Parce que nous, tu vois, avec ton équipe, c'est ici que tu vas jouer. On est en train de refaire la salle spécialement pour vous, histoire que vous ayez une salle et qu'il n'y ait pas d'excuses. Alors ça, cette salle-là, au centimètre près, je la connais. C'est-à-dire, on a nos repères, toute ma vie, j'ai joué ici. C'est l'odeur. Il y a une odeur particulière. Des gymnases. Et nous, ça, c'est l'odeur de vraiment l'odeur de mon enfance. Ah, beaucoup de souvenirs. C'est particulière. Toutes les salles ont plus ou moins cette odeur-là. Et vous savez, il y a la mémoire visuelle, il y a la mémoire du goût et de l'odeur. Et franchement, à chaque fois que je rentre dans un gymnase, de suite, quand je sens, il y a une odeur particulière. Ça me rappelle, ça me renvoie de suite à mon enfance. Rentrer dans la salle, rentrer dans le gymnase, c'est synonyme de jeu, de joueur, en l'occurrence de football. Voilà, tout ce qu'on aime, passionnément. C'était ça notre vie. Ma vie, en tout cas mon enfance, se résume à ça. Ma vie, hein, pratiquement ma vie, hein, se résume à ça.
franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation. Ça va. Tranquille. Ça va bien. Ça va. Toi, ton projet, ça va. On n'allait pas dans des lieux, ni dans des restaurants, dans les trucs. Je te parle de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Notre enfant, c'est ça. C'était marcher. Marcher, parler, relater, tout. Juste, alors, pas tout, et en même temps, pas grand chose, on avait 16 ans. pas grand chose à raconter normalement. Pas de vécu, rien du tout. Et jusqu'à des 3 heures du matin, 2 heures du matin. En tant qu'ami, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humour, qui aime bien rire, passer des bons moments avec ses amis. C'est un bon vivant, mais toujours dans la simplicité. Toujours dans la simplicité de faire des cinémas, des restaurants, voilà, faire des balades, parler un peu de tout et de rien, des enfants, etc., etc. Mais c'est quelqu'un de très simple dans la vie. Et quand je l'ai connu petit, jusqu'à maintenant, il est resté le même. Il n'a pas changé. C'est ça qui est appréciable chez lui. Pour mieux s'arrêter, fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Elsa Triolet, Ada Kolefteri. On va dire Dakhla en plus, hein. On est arrivé comme ça et on rentrait ici là. Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Les années collège. Il était pour nous quelqu'un de représentatif. Enfin, il nous donnait cet exemple aussi, hein, donc de pouvoir pousser, d'aller beaucoup plus loin dans nos carrières professionnelles. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je ne pensais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là en tant qu'entraîneur connu et reconnu mondialement. Donc je suis très très très, très content. Ça tourne. Mais il y a des courts-métrages, des longs-métrages qui se font ici. Elle va bien, Alhamdoulilah, voilà, c'est là où je suis. Très bien. C'est grâce à vous. Hein. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. Hein. Grâce aux joueurs. Merci. Bien sûr, je connais sa maman. Ça fait presque 30 ans que je suis au Balabé. Vous habitez là. J'habite là-bas. Elle est au bled maintenant, ta maman. Elle m'a dit votre sœur. Là, dit outre. Elle va bien. Ça va, alhamdoulilah, merci bien. Ça va bien, merci. Merci beaucoup pour l'Algérie. Merci. Salam alaikum. Salam. Félicitations, merci beaucoup pour la Coupe d'Afrique. Voilà que tu es un champion. Voilà, merci beaucoup. Depuis tout petit, il adorait ça, donc il n'aimait pas perdre. Quelqu'un qui avait cette rage d'aller gagner, il ne s'arrêtait pas. Donc jusqu'à qu'il n'ait plus de jambes, je dirais, il continuait. Donc c'est quelqu'un qui aime le challenge, le combat, donc jusqu'au bout. Ça, quand tu vois ça, Vassila, tu te dis quand même, parce que moi j'ai eu une période de, là on arrête 2 secondes l'insouciance, parce que moi j'ai l'impression que j'étais très très vite en face de la réalité. Je me rappelle exactement quand. En sixième, quand on est parti en sixième. Oh, moi c'est Bruno. Oh, ça c'est mon ami ça aussi. Viens, voilà. C'est là. L'ami de Jamel. Enchanté. Mon ami, mais plus ami de mon grand frère. Ouais. C'est une autre génération. Lui aussi il habitait là. J'habitais en bas, au rez-de-chaussée. Ouais, commence par raconter ta vie, le reportage, c'est sur moi. On est voisins. C'est ça. On est voisins. Alors, votre carrière, c'était comment? Non, j'ai pas carrière, moi. Tu as oublié de prendre Jamel Benadi. Jamel m'a dit, je lui ai dit, Allah yberk. Ah ben oui, on comptait. C'est un jeune qui sort de la cité, il ne sort pas de la cité, des gens qui ont le mal, il sort de la basse, il sort de la cité. Il sort de la cité, il sort de la cité. Il sort de la cité, il sort de la cité. Il sort de la cité, il sort de la cité. Il sort de la cité, il sort de la cité. Je suis un indépendant, j'aspire à être un gagnant, tout n'est perdant, parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, des cieux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Le professeur principal, il m'a dit, c'est pas un métier. Il m'a dit, c'est pas un métier, ça. Il m'a dit, c'est HM devant le truc, parce qu'en plus, c'était privé, ce truc-là.
Donc tu rends ta petite fiche là, c'est, tu vas marquer devant les autres. Voilà. Et l'autre il me dit, attends, quand tu dis le truc, c'est pas un métier ça. Ici c'est un métier, tout, tout. Bref. Et donc, j'ai jamais joué à partir de 11 ans ou 12 ans avec ce côté, Allah, hein, je dis vraiment comme ça, parce que pourquoi je dis, pourquoi j'ai bien l'âge? Parce qu'à 11 ans, moi je suis, donc ça c'est le Bois l'Abbé, on a nos clubs à côté. On a le club, vous avez vu le gars qui est un éducateur, on avait le club à côté. J'ai joué 2 ans dans ce club-là. Normalement, il y a tous les gars, Nesta Al-Houma, ils jouent dans ce club-là. Tu joues avec tes amis à cet âge-là, tu joues avec tes amis. Moi, à 11 ans, je suis parti dans un club qui s'appelle Sucy. C'est à, en voiture, c'est à 25 minutes d'ici. Voilà, il n'y avait plus cette insouciance, il n'y avait plus, on est là, on est, c'est l'enfance et tout, c'est tout. Non, je commence à me dire que... La vie, c'est une vie, ça. Avec tout le respect, j'ai trop de respect pour ça parce que je suis issu de ça. Mais moi j'appelle ça une cage à poules. Des petites cases comme ça, il y a des familles entières qui habitent là-dedans. Je suis pas le seul, on est beaucoup issu de ça. On peut pas dire qu'on ne renie pas ça. Mais en même temps, c'est un environnement qui est tellement hostile, qui est tellement difficile, qui est tellement. Qui dès le début, dès le départ dans ta vie, ça tu pars avec un poids, une charge. Non, et à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, il faut qu'on sorte de cet état-là. Et notamment, surtout, et j'ai eu ça très tôt. Là, ils vont me dire, ah, non, on ne peut pas penser comme ça. Oulah, que je pensais ça comme ça. Parce que je me disais, non, il faut que je sorte de cet état pour changer le destin de ma famille. Et je signe à Marseille. Et avec l'argent que j'avais économisé, avec ma signature à Marseille, prime à la signature et tout, j'ai acheté la maison à mes parents. Les challenges de Boukri et Andel Jamal. Ma vie c'est ça. Mais j'ai besoin de ça, je crois. Finir par croire que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir un objectif. Mais ça c'est un objectif. Voilà. Mouhim Jidden. Mouhim Jidden. J'y pensais. C'est ça qui a fait que j'étais extrême même après dans mon truc. J'étais rigoureux. Je suis jamais sorti de ma vie. Jamais de ma vie. J'étais vraiment. Au centre de formation, après les matchs, il y avait donc les joueurs, tout ça et tout, qui avaient leur sortie, tout ce qu'on peut connaître dans l'adolescence et tout. Je me suis toujours interdit ça. J'ai dit, le papa nous a amené à un certain niveau, à nous de continuer et d'aller à un autre niveau. Voilà ce qui était mon objectif. Ah vraiment, on est retombé en enfance, on a vu là où j'ai grandi, là où j'ai habité et non c'était un bon moment, alhamdoulilah, on n'oublie jamais d'où on vient. Donc vraiment la nostalgie comme t'as pu dire, j'étais pas revenu ici exactement, je reviens toujours dans les environs mais pas là exactement où j'étais. C'était vraiment, alhamdoulilah, quelque chose de bien. À part, j'ai aimé partager ça avec Inch'Allah, avec mes amis qui sont là et avec toi-même, avec toute l'équipe. Inch'Allah, tous les gens qui vont regarder cette émission connaissent un peu mieux
voilà, le personnage. Jamel Belmadi. Alors, le prochain rendez-vous, je vous invite à Doha, inchallah, là où je suis installé, là où qui est ma base actuelle, là où il y a ma famille et là où j'ai pu travailler pendant 10 ans et me construire et me former en tant que coach. Et je vous invite dans l'émission Baiden à la Maiden. Merci. Voilà. Merci. الماضي الخدمه اللي تخدم فيها هذه كامل اسكو تخدم فيها اون جروب ولا وحدك ولا كيفاش bien sûr que derrière nous il y a des gens très compétents. C'est quelqu'un qui peut appeler pour le travail à n'importe quelle heure, à 1h du matin, à 2h du matin s'il y a des idées. Donc cette relation elle est forte aussi parce que voilà, il y a des valeurs qui sont très très fortes et ces valeurs c'est les valeurs du travail bien fait. La CAN pour vous et pour toute l'équipe. N'hayo, j'ai des amis les ma'arfou, des amateurs et ils savent pas choisir. Ben Fouch et Khayrou un bon film. Si on peut rigoler souvent, c'est avec Jamel, machallah. Et quand il vous a parlé du cinéma, il pensait à moi pour les séries télé. Oui, bien sûr. Il a juste le Houma, le Hidra, alors tu le battais maintenant. Oui, non, il y a des films qu'on a vus à l'époque, les films un peu marrants, de vacances. Inspecteur Tahar et tout ça. Mm-hmm. Alouette, c'est vraiment les films où on peut regarder en famille. Aujourd'hui, c'est difficile de regarder un film en famille. Les autographes, t'as dit Stéphano. 1956, première Coupe d'Europe contre remplaçant. Ben, donc voilà César, c'est à vous qu'on vous remet ça et vous l'avez entre de bonnes mains. Je vous remercie aussi pour m'avoir honoré avec cette émission. Inch'Allah, le Chab. J'ai accepté aussi cette émission parce que je sais que c'est la télé nationale et je voulais que Chab Kamel puisse être accédé à l'émission. Inch'Allah, il faut aider l'émission. Je baisserai jamais les bras, je garderai toujours la foi. Moi, comment te dire tout simplement, je t'aime, Algérie, mi amor. On t'aime à la vie, à la mort. Te portera encore Algérie, mi amor. Mi amor. Algérie, mi amor. On t'aime à la vie, à la mort. Le peuple te portera encore Algérie, mi amor. Mi amor. Assalamu alaikum. La tensaou l'a'jaba bil video wal ishtiraka fil qana tashji'an lana لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أستغفر الله وأتوب إليه.